Bonjour à tous, c'est Siphon Retro, j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi je vais super bien, et aujourd'hui on va parler du jeu Temple Run. Donc rappelez-vous, il y avait déjà eu la première version de Temple Run qui avait fait un gros carton sur l'App Store, même sur Android, et donc là vient sortir la version 2 de ce super jeu, donc on va tester ça ensemble tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu a reçu un total de 4 étoiles et demie sur 5, donc ce qui est plutôt très correct pour ce jeu. Donc il est gratuit, il possède des achats intégrés, comme un peu tous les jeux maintenant gratuits. Vous verrez qu'ils ont maintenant changé les graphismes, les animations, enfin vous allez voir, c'est franchement très complet. Donc voilà le menu de ce jeu, donc toujours pareil, donc il vous propose de voler la relique et puis s'enfuir, donc pour esquiver, enfin pour commencer surtout le jeu. Donc nous allons voir ça en détail, donc ce menu qui est plutôt pareil hein, que le précédent. Donc nous allons cliquer sur le menu, donc nous allons pouvoir voir qu'en haut à droite j'ai deux monnaies, donc j'ai la monnaie en émeraude, je crois que c'est ça, c'est des émeraudes, ouais. Si je dis gemme, hein, c'est voilà, vous comprendrez, j'appelle ça les gemmes, moi, donc voilà. La monnaie du jeu, donc c'est les petites pièces, comme sur Temple Run 1, donc là j'en ai 1688. Et donc mon personnage que vous pouvez changer et même upgrader, donc en dépensant l'argent que vous récoltez dans le jeu. Donc vous pouvez acheter des points supplémentaires, donc toujours avec les achats intégrés, pardon. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc voilà, vous pouvez acheter, vous avez cette possibilité-là. Donc après vous pouvez obtenir des pièces gratuitement en suivant sur Twitter ou en likant la page Facebook, il me semble. Donc les settings, les statistiques, les leaderboards, etc. etc. Et surtout les objectifs qui nous intéressent, un peu comme le Temple Run 1, il vous suffisait par exemple de réaliser un objectif, par exemple courir sur 500 mètres, c'est très facile d'ailleurs. Et donc voilà, vous obtenez ensuite, vous pouvez monter votre personnage. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est upgrade. Voilà, donc vous avez maintenant plusieurs personnages comme avant, vous me direz. Sauf que en fait, vous avez maintenant des abilities comme ça. Donc vous pouvez augmenter tout ceci avec de l'argent. Donc là, par exemple, je vais augmenter bah, le boost. Hop, j'ai assez. Donc voilà, vous augmentez comme ceci. Hop. Donc voilà. De score multiplier, etc., etc. Vous avez aussi des power-up. Au bout d'un moment, dès que vous aurez rempli votre jauge, je vous montrerai ça tout de suite après, vous pouvez lancer un bonus qui vous permettra, par exemple, d'avoir un bouclier qui vous protège des obstacles pendant un petit moment. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Ou alors un boost, etc. Après, vous les achetez. Pour acheter ces bonus, c'est simple. Il vous suffit en fait d'acheter un personnage. Par exemple, ici, pour avoir le coin manette, il vous faut... Bah, là, c'est le level 5. Sinon, pour le boost, c'est Scarlet Fox, donc qui est voilà, cette personne-ci, donc qui coûte 5000 pièces. Et donc voilà, voilà pour le menu, on va commencer à jouer. Donc c'est parti, eh bien on va jouer. Donc d'abord, je voulais m'excuser parce que ça va pas être du super bon jeu, hein, vous attendez pas à ça. Donc vous pouvez voir, on a toujours le gros singe démon, là, je sais pas trop ce que c'est. Les tyroliennes, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, le décor tourne, c'est plutôt sympathique, c'est fluide, les animations sont vraiment super bien réalisées. Voilà, hein. Vous allez changer aussi de décor, là par exemple je suis dans le ciel, ouais dans le ciel c'est ça. Et je serai après dans une jungle, etc. Donc ça change, j'essaie de recentrer. Hop, donc c'est plutôt sympa, vous voyez là je crois que j'y rentre, ouais voilà j'y suis là. Enfin c'est toujours dans le ciel mais bon c'est plutôt un décor de forêt. Hop, oula, voilà. Après, vous avez aussi les mines. Donc, ça varie le gameplay. C'est plutôt sympa. Ça permet. Ça change, quoi. Parce que c'est tout le temps pareil. Par exemple, sur Temple Run 1. Au bout d'un moment, bah voilà, on en a un petit peu marre. J'aimerais bien vous emmener jusqu'à la mine. Mais bon, ça risque d'être très difficile. Vu dans les conditions de jeu. Donc, voilà, j'ai activé mon power-up. Voilà, qu'est-ce que je fais? Mon power-up. Vous avez pu voir, j'ai tourné du mauvais côté. Et donc ça m'a amorti, donc ça m'a pas fait perdre avec le singe qui me poursuit derrière. Ah, donc c'est plutôt sympa ces petits power-up, vous pouvez augmenter la vitesse, la durée. Ah mince. Bon voilà, donc ici, est-ce que j'ai assez? Ah non, j'en ai pas assez. Enfin bref, voilà, vous pouvez recommencer là où vous souhaitez avec ce système d'émeraude. Donc ça c'est plutôt sympa, donc vous voyez, j'ai réussi à faire 2-3 petits objectifs. Voilà, j'ai gagné... des émeraudes, donc je prends, voilà. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous emmener jusqu'à la mine, donc ce que je vais essayer de faire en utilisant donc les émeraudes que j'ai gagnées.
Donc, pour recommencer, là où je me suis arrêté. Donc, parce que la mine, c'est franchement sympa. Ils ont bien géré, les développeurs de le mettre. Ça varie le gameplay, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Hop. Donc, toujours le petit fameux bruit quand vous récoltez les pièces. Que tout le monde aime bien. C'est bizarre, mais bon, voilà. Hop. Donc, les petites tuiles. Donc, toujours. Oh, mince. Oh là là, vous avez vu, j'ai traversé la planche. Ah donc vous voyez j'ai pu recommencer et je crois que j'ai un petit bonus, voilà, juste histoire de se remettre en jambes. Hop, 750, oh mince, mince, voilà, nickel. Donc voilà, franchement, bien sympa hein, ce petit jeu. Je rejoins les 4 étoiles et demie qu'il a sur l'App Store, franchement, très bien, rien à dire. Ça varie contrairement au premier opus qui était assez répétitif, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà, oh là là, qu'est-ce que je fais? Voilà, nickel. Oh là là, mince. Donc là, vous voyez, ça augmente au fur et à mesure que je recommence. Donc voilà, donc après, ça sera 4, il me semble. Et après, ça devient mais vraiment super cher, quoi. Surtout qu'en plus, les émeraudes, c'est assez rare que vous en trouviez. En vous baladant comme ça dans le jeu, parce que là je penche vraiment, sinon ça passe pas. Je m'excuse hein, si vous voyez pas très bien, mais bon, je peux pas faire autrement. Hop. Les rivières, vous pouvez voir, c'est assez diversifié. Hop là. Oh là, j'ai eu peur. Oh mince, ah oh, non, je suis dégoûté. Et là, non, bah, je les ai plus. Bon, ok, bah, désolé, hein, j'ai pas pu vous amener jusqu'à la mine, mais bon, vous avez pu voir un petit peu comment c'était dans ce jeu. Très bon. Donc d'ailleurs. voilà, après, vous avez un petit récapitulatif de vos scores, donc ce que vous avez fait, les objectifs qu'il y a à réaliser, donc pour augmenter de niveau, etc., etc. Les menus, je vous ai montré. Et bon, c'était iPhone Retro, prenez soin de vous, ciao. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet iphoneretro.allo.com. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et un pouce vert si cela vous a plu et prenez soin de vous. Salut.